Eh bien bonjour tout le monde, salut les compagnons. Aujourd'hui, eh bien, on est de retour sur ce jeu, ouais, sur What Night Stand. Non, ce n'est pas mon téléphone. Trouvez. Chut, arrête de faire du bruit, connard. Est-ce que je lui réponds? Oui. On va lui répondre. Mince, mon téléphone n'a quasiment plus de batterie. Ce serait mieux d'aller le brancher après qu'il ne s'éteigne. Non, c'est pas ma table, c'est pas ma chambre, ça veut dire que je suis à poil. Wow, qui est cette fille? Est-ce qu'on a baisé? Oui. Est-ce que je dev... Oui, on va lui parler de la fille, mais on n'enverra pas de photos cette fois-ci. Avec un peu de chance, il m'éclaira un peu plus sur ce qui se passe. Ah, t'es un mauvais dragueur. Bah, la confiance règne. Putain, je me rappelle vraiment pas de ce qui s'est passé hier soir. C'est le flou total. Je me souviens vaguement avoir lâché Gary, mais à part ça, je ne sais même pas ce qui est cette fille ou où est-ce que je suis. Non, on ne prendra pas de photos cette fois-ci. Non, je ne m'abaisserai pas à ça. Qu'il continue de penser ce qu'il veut. Et merde, ma batterie est vide. Et je suis encore loin d'avoir compris ce qui s'est passé la nuit dernière. Que faire? Bah, on peut la réveiller nous-mêmes au pire cette fois-ci. Bah non, c'est con justement. Fallait partir. Donc nous allons reprendre ça. Oui. Est-ce qu'on peut partir comme ça? Si je sors comme ça, elle va clairement voir que je porte cette culotte. Et je l'aime bien, moi, cette culotte. Faudrait que je me trouve autre chose pour la cacher. Ok, sauf que là elle va se ramener. Est-ce que ça va? Non, on parle pas. Blablabla. Bah là on avait parlé de tout, donc là on va dire rien. Ça n'a pas l'air d'aller. Tu te sens bien? Bof, c'est pas la forme, c'est qu'une gueule de bois, blabla. En effet, il y avait pas mal de temps pendant sur cette carte de fidélité. Gary m'a pourtant dit que je n'avais bu qu'un verre. Rien. Je besoin de rien, merci. D'accord. Je reviens dans une minute. Bon, elle est partie. Il faut que je reste calme. Je ne veux pas qu'elle se rende compte que je ne me souviens pas d'elle. Elle a l'air cool. Mais je connais même pas son nom. En fait, ce qui est relou, c'est qu'on ne peut pas partir. Genre, si on peut partir, j'ai l'impression que je peux l'entendre. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on va tomber sur la même fin que la dernière vidéo et perso, bah, c'est pas ce que je veux. Oui! Oh, yes, on a réussi à se barrer sans qu'elle nous remarque cette fois-ci. Lorsque la porte s'ouvre, vous sortez et ne regardez pas en arrière. Vous vous demandez si elle vous a vu partir. Vous n'aviez aucune envie d'en savoir plus sur cette fille. De toute façon, vous avez pris sa culotte. Ça suffit. Elle avait l'air plutôt gentille, mais vous êtes soulagé d'être parti. Vous vous hâtez de traverser la rue en n'ayant aucune idée dans la façon dont vous allez rentrer chez vous. Du coup, on a eu quel pain? Je me demande si j'ai bien agi. Trophée obtenu, no time to waste. Et ben, on a fait une nouvelle fin, effectivement. Donc, c'est cool. Vous avez débloqué la fin, pas de temps à perdre. Vous avez réussi à vous échapper à la première occasion avec votre dignité intacte. Mettre vos intérêts avant les siens, montrer un peu de respect, de part chez l'inconnu, détective plus qu'un ami, froufrou. Mais c'est chiant parce que moi c'est celui-là que je voulais avoir à la base, mais je sais pas comment faire. À moins qu'on prend sa culotte au point qu'elle nous remarque et qu'on met rien d'autre. Au pire, on peut tenter ça pour la prochaine vidéo, mais bon. S'engager sur une pente glissante n'est pas une bonne idée. Ouais, donc là, c'est si on fait que des choix de merde, quoi. Vous pouvez partir quand vous voulez. Oui, donc ça, au pire des cas, c'est partir bien plus tard, j'imagine. Ou au pire, c'est s'enfuir dès le début. Amitié, c'est quand même... Bah, au pire des cas, je pense. Du coup, tant pis, il n'y aura pas 12 vidéos, parce que j'ai envie de tenter autre chose.
Donc nous allons continuer pour cette vidéo. Donc on avance rapide, blablabla. Non, on lui répond pas, pas ça. Non, on lui parle pas, on s'en fout. S'enfuir. Il faut que je me casse d'ici avant qu'elle se réveille, je ferais mieux de m'habiller. Ah, qu'est-ce que... Ok, tant pis. On s'en branle, on va prendre son foufou. Ouais. Prendre. Oui. Est-ce qu'on peut partir comme ça? Oh putain. Bah attends, bouteille de. Qu'est-ce que. Tiens, une bouteille de Rocha Reversa à moitié vide. On dirait que j'ai enfin mis la main sur le coupable. Mais je ne bois pas de vin rouge d'habitude. C'est sûrement son portefeuille. Je devrais vraiment pas regarder là-dedans. Mais en même temps, il doit contenir quelques informations en plus sur elle. Un permis de conduire, une carte d'identité, quelque chose avec sa date de naissance ou son nom au moins. Est-ce que je devrais regarder son portefeuille? Je sais que c'est le mauvais choix, mais d'un côté, qui ne tente rien à rien. De toute façon, elle va se ramener dans tout cas. Il y a un reçu. Donc j'imagine que le jeu se passe le 24 mars 2016. Ce qui est assez amusant parce que quand je tourne cette vidéo, on est le 16 mars. C'est proche, hein. Tom's Taxi, ça date d'aujourd'hui. On a dû arriver tôt ce matin. Non, je me rappelle vraiment de rien. Je me demande qui a payé. Ouah, presque 30 balles, c'était un taxi de luxe. J'espère que je ne suis pas au milieu de nulle part. Une carte de membre. Attends une minute. Il y a quelque chose d'autre là. Et du coup, nous savons enfin... Où, qui elle est, sa date de naissance, le jeu se passe dans quel pays, et son nom. Il était temps donc. Elle vit à Manchester, du coup, en Angleterre, j'imagine. Et elle est née le 3 décembre 89. Et évidemment, c'est une femme. Elle s'appelle Louise. Elle a 26 ans. Elle est plus vieille que ce que je pensais. Cette carte a aussi l'air super vieille. Je me demande si c'est une vraie. On va arrêter de chercher, là. J'ai terminé, je peux pas tout regarder. Par contre, pour les autres fins, je pense qu'on va regarder. Je pense qu'on va regarder dans les prochaines vidéos. On va continuer à regarder au-dessus. Ok, attends. Oui. Ouh là 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 là. Ah, elle nous a vu avec son froufrou. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu portes ma culotte? Je pense que c'est ce qu'on va faire aussi dans les prochaines vidéos pour pouvoir répondre à tout ça. Pour pouvoir répondre à tout ça. Dans les prochaines vidéos, on va juste prendre la culotte et pas prendre d'autres vêtements. Comme ça, au moins, on pourra répondre aux autres trucs. C'est joli. Ah, ça me va bien, tu trouves pas? Oh mon dieu. T'inquiète, tu peux avoir mon boxeur en échange. Je ne veux pas porter ton putain de boxeur. Oh, je me sens un peu enfoncé. Je veux que tu partes maintenant. Sérieusement? Dégage de chez moi. Avant que vous ne vous rendiez compte, vous êtes sur le perron. Vous vous retrouverez rapidement pour demander... Mais on fait quoi concernant ta culotte? Garde-la! Hurle Louise en claquant la porte derrière vous. À passant, entend votre échange et vous fixe avec un regard inquiet. Vous ne partez rien d'autre que sa culotte. Et oui, parce qu'on est torse nu. Néanmoins, vous traversez la rue la tête haute. Vous vous sentez fier de partir avec sa culotte sur vous. Vous continuez à marcher à l'arrêt... À la recherche d'un arrêt de bus. Et il y a les flics qui vont m'arrêter. Ça aurait probablement pu être mieux. In a twist. Trophée obtenu. Et ça y est. Oh putain, la belle bite. On a un éclair. Vous êtes un amateur de froufrou, un dessous contre un dessous. Ce concept vous paraît équitable, mais elle ne semble pas de cet avis. Elle est pas fun, c'est tout. Montrer un peu de respect, ouais. Eh bien, je pense que, ouais, malgré que cette vidéo est courte, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner sur ce c'était les Mikoupas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour peut-être aussi deux fins en une vidéo. Probablement. Du coup, au revoir tout le monde.